c'est en Tunisie que les factions rivales libyennes tiennent des pourparlers de paix politique tant attendus. Les négociations soutenues par les Nations unies visent à tracer une feuille de route pour les élections présidentielles et parlementaires. Le mois dernier, les parties belligérantes ont convenu d'un accord de cessez-le-feu historique. Le président tunisien Kaïs Saïed a assisté à la cérémonie d'ouverture des pourparlers. Il a déclaré que les participants avaient un rendez-vous avec l'histoire qu'ils ne devraient pas laisser passer. Depuis plusieurs années, la Libye est divisée entre un gouvernement soutenu par l'ONU dans la capitale Tripoli et des autorités rivales basées à l'Est.